camarades journalistes, merci d'être présents dans le conférence de presse qui est organisée aujourd'hui par la CTSP, donc la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés. Et comme je le connais, la CTSP nous représente aussi, enfin nous donne tout un secteur d'activité, comment nous dire, qui dans le privé, dans le public, comment nous dire. Et là, actuellement, nous avons un dossier pour un ingénieur de Air Mauritius. Donc, un petit peu pour que je comprenne ce qui est un ingénieur de Air Mauritius. Ce n'est pas un job qui vous gagne comme si facilement sur le marché. Et une fois qu'ils se rendent comme ingénieurs, ils ont beaucoup d'études en cours pour se faire, pour qu'ils soient capables vraiment responsables d'un avion, pour qu'un avion soit capable de gagner permission pour décoller. Parce que tout dans notre main, il y va, comme on nous dit, de la vie des gens. Donc, ils ont un travail vraiment important, méticuleux et stressant. Et bien souvent, ça va travailler là, un ingénieur de Air Mauritius. Bizarre comme si doubler le band shift parce qu'il manque travailler et de ce fait, j'ai beaucoup de manque de sommeil, fatigue, etc. Donc, nous, comme une organisation syndicale, ben, travailler fin juin, nous, il y a à peu près 2 ans de cela. Et quand un syndicat a vraiment envie de fonctionner, c'est surtout pour gagner un accord collectif, comme on nous dit dans la loi. Collective agreement en anglais, accord collectif en français. Et dans un accord collectif, il est composé de 3 parties. D'abord, les terms and conditions, les conditions de travail, les salaires et aussi l'aspect santé et sécurité. Et d'après la loi Maurice, chaque 2 ans, un employeur a besoin assise avec le syndicat qui reconnaît dans l'entreprise. Et les besoins négociés d'une façon correcte, dans le respect mutuel, et en vue de signer sa agreement là. Donc, ce qui est arrivé côté, pas juste côté d'un ingénieur dans Air Mauritius, nous faisons remarquer, depuis que nous rentrons dans Air Mauritius, parce que récemment, là, à peine 2 semaines, nous sommes là pour travailler pour une cabine crew. Et là, ban ingénieur, c'est aussi ce pays qui a des difficultés, malgré qu'il discussion peut faire depuis un peu longtemps. Regarde ce que je détaille. Et puis, quand les négociations ont commencé, qui fait l'IP bloqué et qui sa situation-là peut amener au niveau de sa banque travailleuse. Donc, nous restons bloqués et la CTSP, les fait qu'ils sont affiliés contre nous, nous disons qu'ils nous donnent un coup de main par rapport à reconnaître leur émotion si vous pas causé dans la presse. Faire du monde, faire l'opinion publique comprendre ce qui peut passer, n'en est pas bougé. Et il y a une situation extrêmement grave. Donc, sur ce, chers amis, je vous passe la parole comme Andréas. Il faut élaborer un peu plus en détail. Merci. Merci, Mme Jane. Et il est clair aujourd'hui, nous pouvons faire confiance de ça. Pour mon camarade ingénieur de Mauritius. Mais il y a aussi pas un secret pour connaître que cette espèce représente d'autres catégories de travailleurs, dans un monde et dans un monde. Nous nous sommes maintenant aujourd'hui parce que nous pouvons remarquer qu'il y a une espèce de contradiction. Tout dernièrement, le management d'un monde fait faire tout, mettre réunion après réunion, et je finis informé qu'il y a besoin de signer l'accord au plus vite. C'est la même une espèce de campagne qui se fait faire pour dire non, avant de déclarer les centaines de millions de pertes, bien fini, c'est là. À nos grands étonnements pour les catégories d'ingénieurs, depuis 3 mois, toute négociation formelle fut arrêtée. De temps à autre, il y a une petite réunion dans le couloir qui n'a pas abouti à rien, puis dans la minute sont procédés. Je vais dire temporisme d'affaires, mais à ce jour, aujourd'hui, nous pouvons causer PANCO et l'aide l'accord ou catégorie d'ingénieur. Et l'ironie de l'histoire, si nous voulons dire l'enfant pauvre de Air Mauritius, qui aujourd'hui encore dans une condition très discriminatoire, c'est mal ingénieur. Et moi, explique-moi l'autre. Tout mon employé d'Air Mauritius, je tenais 7 emergency leave qui je te apprends. Je peux être agent local. Dans la catégorie ingénieur, light
aircraft engineer, je n'agis deux. Tout employé de Air Motion, je travaille 40 heures par semaine. Ban ingénieur, 45 heures. Tout ban employé Air Motion, c'est dans 21 cycles. Je te 15 cycles. Tout ban employé Air Motion, couvert par un accord collectif, je te un wage structure en bon et niveau. Ban ingénieur, en 2010, il faisait signer un exit agreement. Ça vient de mes DO, je peux pas un accord qui couvre. Et à ce jour, nous pouvons causer, je ne paye aucun wage structure. D'ailleurs, tout un an et demi de ça, Finn Bizin met une case devant le Employment Relations Tribunal pour essayer d'aligner le salaire de nouveaux recrues, de nouveaux ingénieurs, un petit peu d'hommes anciens. Mais à ce jour, qui nous pouvons causer, paye aucun wage structure. Donc, l'urgence, on lit là-bas. Je suis dans la cause, je suis dans la structure, et jusqu'à aujourd'hui, pas encore, et n'a aucun accord qui nous signe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, et à chaque fois, il y a une certaine tentative pour me dire tant que négociation n'est pas finie, vous avez le droit à le communiquer en dehors, hein, parce que dans le procédure, l'argument dit moi ça. La loi claire. Ou il y a 90 jours pour faire meaningful negotiation. Donc, un ingénieur arrive 900 jours. Depuis bien longtemps, Pécosé même, bon, comme on fait dire, tu me dis même médiquer sa cour, et toujours rien. En même temps que le management reconnaît qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui peuvent aller, parce qu'il c'est un métier en grande demande sur le marché international, beaucoup mauritiens, travaille pour Emirates, Léo. Donc, bizarre de tenir ce mandibou là. En même temps, il y a une petite pratique répressive. Là, par exemple, petit amalette pour mandibou qui ne saute de emergency. Alors qu'il y a une demande pour aller tout le monde, bon, juste pareil, pour faire tout le monde cette emergency. Encore plus qu'il va désigner, je plus important que l'emergency pour ce motif. Et ils sont obligés là, rester si il y a une panne, parce qu'ils n'ont pas d'avion pour y aller. À nos grandes surprises, petit aller. On peut faire connaître une sorte d'emergency. Il y a 10 personnes qui ne sont d'emergency, mais il y a zéro cyclisme qui ne prend. Il y a une clean slate, même ça, elle peut gagner. Nous ne pouvons comprendre qui peut arriver. Est-ce qu'il y a vraiment une tentative pour retenir un ingénieur? Ou soit que pour ce temps, nous ne comprenons pas. Une chose est claire, nous n'est pas capable de traiter les ingénieurs, un petit peu comme la négociation que nous faisons, près de 10%, parce qu'il y a 10 heures d'abord pour qu'il y ait une propre wage structure. Il y a des gens qui peuvent rentrer et prendre en considération tous les ingénieurs qu'il a. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, bien corrige tout anomalie. Pas capable de payer un salaire pour une majorité de travailleurs de 40 heures, pour ceux de 45 heures. Donc, il y a un besoin urgent pour corriger l'anomalie, rééliminer toute la discrimination qu'il y a. Les là, nous causons une crise. Discalier, le management de Air Motion n'a pas vraiment besoin. Nous payons notre choix. L'exécutif de mon syndicat, je vais travailler, mon ingénieur, je vais sonner, parce qu'il nous représente, et n'a pas de ras-le-bol. Je me plains. Je sens que je suis en train de prendre une ride, comme on nous dit en anglais. Et nous espérons, nous allons adresser une lettre au management, au CEO, une copie au head of HR, M. Jean-Bernard Sardien. Bien sûr, dans les plus brefs délais, appel, négociation, finalise toute la discussion qu'il y a. Sinon, nous ne pouvons pas prendre d'autres choix qui rentrent dans une action industrielle. Parce que c'est quelque chose sans précédent qui peut arriver. Et moi, vite, mon camarade de la presse, il y a pourtant qui, le management de Air Motion, explique-lui
qui fait un différent traitement concernant les ingénieurs, alors qu'il n'y a pas de gain ingénieur sur le marché. Est-ce que cette tentative, peut-être qu'il y a un étranger, un ingénieur étranger qui est capable de venir, donc nous pouvons pousser maintenant une espèce constructive dismissal, parce qu'il y a les autres projets, nous ne connaissons pas, travailler et spéculer, mais aujourd'hui, nous dans une situation, nous pouvons d'autres choix qui nous pourront dans une action industrielle. Donc nous avons envie d'informer. La CTSP, c'est la confédération avec laquelle le syndicat est affilié. La CTSP pour prendre l'initiative, pour l'engagement, si vous avez rendu dans l'action, nous pouvons faire. Donc. Si vous avez ajouté, vous ne pouvez pas oublier qu'il y a Mauritius, le gouvernement est dans 51% action dans Mauritius. Donc, et le premier ministre n'est pas fini de dire qu'il nous vise encourage nous ban cerveau pour rester dans le pays. Quand vous avez un ingénieur qui appelle un aircraft engineer, c'est ban cerveau. Il fait ça au départ, mon expliqué que ça travaille là extrêmement difficile. Mais puis, comme je peux dire, faire tout, comment dire, mais ça en dans termes légal, un constructive dismissal vis-à-vis eux. Parce qu'il peut faire, comment dire, faire tout pour qu'ils aillent aller. Et là, que ça n'a pas mené, peut-être. Pas connais moi, un indien ou quoi que ce soit, capable de payer moins, nous pas trop comprendre. Mais ban aircraft engineer, je veux dire qui, je t'aide après ce qui premier ministre dire. Je te reste là, c'est ban patriote, je t'envie reste pour le pays, je t'envie travailler pour le pays. Et nous, enfin, bon Dieu, mais nous jusqu'à l'heure pas une catastrophe majeure, mais c'est un pays si nous guette bien. C'est, alors il y a de tout ça, c'est ban ingénieur là, pour ce travail, pour cette façon de faire. Donc, nous ne pouvons pas comprendre qui fait un gouvernement quand il trouve. Mais qu'il n'a pas fait un système précis sur un journaliste à l'été comme fini à Qatar, Dubaï, l'Asie, l'Australie. Donc, il y a un gros problème dans le pays. Donc, qui fait appeler ça brain drain là quand nous avons du monde ici qui nous capable de compter et ne serait-ce qu'il nous besoin de payer de nous donner un salaire correct pour la qualification qu'ils ont et pour le travail qu'ils ont pu faire. Donc, nous faisons appel à Premier ministre surtout. Parce qu'il nous trouvait pour une cabine groupe, quand nous pouvons négocier, il faut qu'il tape la propre Premier ministre pour finalement les affaires aboutir. Et ce qui nous, là, avec la presse, nous pouvons demander ce qui nous faisait un rêve et même affaires encore pour que le Premier ministre entende la voix de sa bandière comme ingénieur. Voilà. Quand je peux dire action industrielle, là, c'est qui action ça? Mais nous n'avons pas le choix, nous ne sommes pas capables de rendre, comment nous dire, dans usual train, à CCM, à l'IOT, à le tout. Nous pouvons commencer d'abord par une visibilité actuelle. Nous avons besoin que MOCHUS consomme, comment nous dire, ce deadlock. Et donc là, le ministère du Travail, le ministre du Travail, nous avons besoin d'intervenir, pas capable dans la loi. Prescrit à 90 jours de meaningful negotiation, nous n'arrivons 900 jours. Ça veut dire que la limite, ça. Tant qu'un employé n'a pas dit non, négociation continue même. Et là même, là, il y a un problème où ceux qui finissent déjà signés, pas payer les rases. Comment bien? Encore, on discuter, pas connaît comment bien payer. Ou imaginez-vous, un ingénieur, depuis 2010, je suis dans l'accord collectif, fait 8 ans. Donc, quand vous signez là, quand il commence, quand il finit, tout le monde les autres syndicats, les autres lacos, à peine nous signons en 2018, il finit là. Ok? Pour bien renégocier en 2019, les ingénieurs peinent dans l'accord collectif. Donc, qui date pour mettre, quand il finit, quand pour renégocier. Tout ça là, c'est un pacte total. Et qui m'a retenu, les ingénieurs n'ont pas d'humeur pour battre les autres. Extrêmement colère. Et m'a dit là, ce n'est pas tiens pour payer une bonne. Qui beaucoup, si je t'allais, je devais rembourser, beaucoup de vous finissent qui t'exploitent. C'est à cause de payer ma bonne, remboursement ma bonne, que je ne peux pas payer. Aller. Bonne, non, combien? Il y en a 700 000. C'est une somme énorme. Mais je ne me plais. Je ne me plais. Combien d'ingénieurs ça touchait? Une 75, je pense. 75, je ne sais pas. Quand les affaires adressées, Rivas, à la
Et depuis mercredi dernier. Et combien de malades, tu as un délai comme si pour prendre l'action là? Oui, nous disons ça. Nous payons des malades et moi, c'est un diable putting. Moi, c'est dans ma émotion, dans ma dimonette, ils ont compris signification de moi, c'est un diable. Nous pouvons faire une conférence de presse aujourd'hui. Batane, le premier ministre, rentré. Surtout, qui est le président de AML, qui aussi conseiller privilégié du premier ministre, sorti d'un monsieur, qui est un Orient, l'icône pour même là, puisqu'il est un bon sénat. Donc, il faut bien placer pour expliquer le premier ministre exactement qui sentiment va les aider aujourd'hui. Donc, semaine prochaine, nous espérons qu'il nous ait une communication qui peut arriver. Donc, ça va être une semaine après. Oui. Bonne action industrielle. Nous donne, on va dire, une semaine pour mes ministres, pour une texte, l'aide qu'il nous a envoyée et tout, il faut comprendre. À nous aider. Mais vous êtes un booster, j'aimerais qu'on s'en dise, un ingénieur qui partit ici, ça. 10 ingénieurs, c'est une catégorie ingénieur. Parce qu'en ce moment, il y a trois catégories qui ne peuvent pas encore définir les augmentations salaires. Il y a une catégorie qui complètement, nous l'avons dit, Air Mauritius numéro 2, c'est Air Mérite. Ok? Après, on a ingénieur et pilote. Pilote, c'est une autre façon de faire négociation, de connaître bargain. Dans un mot, juste nous dire, résiste ingénieur. Et qui peut-être? Comment arrive un changement de langage? Quand tu peux négocier pour AMCA, mets pression, bien signer, la bien signer, avant des clauses, des centaines de millions de pièces. Ok? Mais ici, comment est-ce que tu as une considération? Et vous imaginez, depuis 3 mois, tout réunion formelle n'a arrêté. Puis résiste, pas de petit réunion dans le couloir, qui pas abouti à Noré. Téléphonez, téléphonez à toi. What next? Puis à Noré. Vous finissez, vous avez un certain manager qui finit de signer un papier qui. Une bonne. Je ne sais pas, vous n'avez aucun droit à. Non, vous connaissez. Ou pas, vous êtes un light aircraft engineer avec un diplôme ingénieur, c'est tout ça. Constamment, vous avez un examen qui vous imprend. Donc, ça, nouveau type d'appareil, ou bien aller composer un examen, ou bien qu'il y a 75% dans One Box, pour comment dire, ou éligible. Pour faire maintenance avant là, signer qu'il est capable d'aller. Donc, il y a beaucoup de choses, donne-nous un coup. Et quand il donne ce coup, il n'y a pas de nous les gratuits. Il y a une bonne qui vous signe, vous disiez, si vous quittez, vous êtes payé tant. Si vous partiez dans ça, beaucoup d'ingénieurs, tu finis aller. Beaucoup, tu finis aller. Il y a pas de demande pour ingénieurs sur le marché international. Mais il n'est pas normal, nous ne pouvons pas comprendre du tout les stratégies, vous n'avez pas d'ingénieurs. Et ça, pas date d'aujourd'hui. Mon dieu, 2010, il faisait des hauts. Dans l'histoire du pays, moi et Dieu, nous avons au moins 33 ans de carrière là, jamais nous avons exit à l'humain. Ça veut dire faire un arrimen pour mettre des hauts. Pour faire des hauts depuis des arrimen. Or, qui est le gouvernement? Pena wage structure. Le nouveau qui vient, à un moment, nous espérons d'aller, de 10 000 roupies, après ça, vite un chèque money. Le nouveau vient, pas gagné, besoin devant la cour. Mais là, c'est le moment de corriger ça. Comment est-ce que vous conseillez votre santé distribuée? Depuis au moins 75 personnes qui peuvent attendre. Et bien sûr, vous pouvez aller faire les autres catégories dans le même département. Parce que quand vous allez voir ça, vous allez voir. Et moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, les ingénieurs de ces Air Mauritius, souvent, vous avez certains détraqués d'Air Mauritius, disent ouais, ça va donner beaucoup de casse ça, maintenant, vous êtes bien payé. Personne n'a pas dit ça pour ingénieur. Personne n'a pas dit ça pour ingénieur. Parce que le salaire que vous payez, je ne sais pas, plus que les autres, au contraire, moins. Comparé à certaines compagnies, et moins. Quelque chose qui peut-être les membres de la presse comprennent ça. Souvent, des fois, vous avez dit à mon cher, c'est un temps avion, 15, 20, ou vous avez dit un ticket de flotte. Il n'y a pas comme ça, ça. Quand nous pays trouvés, nous visons un long vol. Ça veut dire qu'il n'est pas fait avec Twin Notaire, ça. Il est fait avec un bel avion, compliqué, une technologie bien écrite. Donc, ça va être des gens qui font sa maintenance, qui donnent ça là-bas, ça aller là. Ce n'est pas n'importe qui. Ou capable d'avoir une compagnie, il a 30 avions ou 50 avions, mais il peut faire un vol domestique à l'intérieur de l'Afrique ou l'Asie. Rien n'est comparable.
La manière où il y a un mécanicien qui répare Jaguar, et l'autre qui répare Mano. Quand il y a 10 Mano, mais un seul Jaguar, il couvre tout. Donc vous avez compensé ce monde là. Nous pays loin, nous avons un vol long courrier qui nécessite vraiment un know-how particulier. Nous avons beaucoup de temps. Vu qu'il m'a fini signer l'exigence, un ingénieur, mais si vous pouvez voir par rapport à ça, qui vous vient envoyer là. Quand arrive en 2010, j'ai déjà d'autres conditions, j'ai découvert pareil que ma tout staff et mon chef. Je n'est pas possible qu'il conseille eux, parce que je suis un professionnel en fait. Tiens, je depuis dans sa la cour qui couvrait ma staff là. Ça m'appelle un exit à vous-même. Mais peine un nouveau laco qui définit un puzzle, tout nouveau rentré, et ça peut rouler depuis 2010. Arrivé le moment, je peux d'aller et mon chef donne un retention money, après 10 000 loupies, un ancien ça. Tout nouveau qui rentré, pareil ça casse ça, fait décalage, ben là, j'ai demandé la cour, qui s'était expédié, aussi déposé, soutenir là-dedans, pour ramener nous autres un peu, mais valait du jour mon pécozao. Pena and wage structure, proprement dire, c'est l'ingénieur entré de Wan, Céline fait 20 ans, ce salaire qu'on a prêté down the line, comparé à toutes les autres catégories d'embauches. Toutes catégories de wage structure, les autres Pena. Comment vous faites ça? Comment vous finalisez ça? Là, si on comprend bien, là, et le gomme, la cerise sur le gâteau, tout manager se finit à 10% là. Les chefs, je ne sais pas, je te mets 10%. Ou de 10%, l'autre 10 000, 10%, l'autre 100 000. Pas pareil, ça. Je n'ai 10% à cause des bonnes. Je n'ai plus même motivé pour qu'il y ait des enfants misés en bas. Je ne finis qu'à 10%, on va être plein. Donc, situation n'a pas qu'à continuer. Donc, théoriquement, je n'ai pas de l'accompagner, je dois l'accompagner, et étant donné de faire un exit, ça ne va pas. Exit agrimaire. Ça veut dire que je suis obligé de faire agrimaire. Je paye un agrimaire qui couvrait. En fait, pour nous bien comprendre ça, nous n'avons pas la loi de travail dans le pays. Et par exemple, le secteur privé, nous avons 30 remuneration orders. Donc, les ingénieurs partout là-dedans. OK? Au fait, aucun travailleur dans MOCHES partout là-dedans, aucun ne savait 30 la loi qui existait dans le privé. Là. Alors, qui vous en fait? Il y a une autre provision qui dit que quand vous avez la loi, capable, il y a un agrément qui signe entre les patrons. C'est un qui vient tout contrat, c'est un qui vient tout. Ben, ingénieur, là, je suis dans un autre syndicat qui appelle l'AMSA, qui finit sur la cour, ce 10% qui finit gagné. En 2010, quand je signe ça la cour, là, ensemble avec l'AMSA, le management, même des autres comme ça, des autres catégories qui ont été, pas parce que je peux dire salaire, le salaire beaucoup plus faux. Mais si je traite dans l'agrément là, dans l'agrément ensemble avec ma catégorie là, les débalances d'agrément là, je dis comme ça, nous faisons une autre augmentation là, à condition qu'ils se sortent là-dedans. Et il y a quelque chose faux là de non dit. Donc, il appelle ça un exit agrément. Donc, tire sa catégorie ingénieur là, depuis ça, tout ça les autres catégories qui dans AMSA là. Tire les mêmes côtés. Mais logiquement, quand vous faites sortir dans l'agrément là, il y a quelque chose, vous êtes tout de suite assis avec eux. Pour tout ce qui est bon, il gagne de l'autre côté là-bas, là, mais bon, ça fait ça, les conditions. Remettre un agrément, l'OLAUA. Qui n'est pas fait. Qui n'est pas fait. Parce que ça, parfois, quand on est en négociation, on trouve ça amateurisme qui existait là. Mais je ne connais même dans quelle façon, comment vous négocier. Ça veut dire depuis 2010, ce drôle, ça va être petit là, il arrive jusqu'à 2010, c'est là qu'on nous rentrait. Pour comprendre comment on peut gagner des difficultés, comprendre ça existe agrément. Mais aussi, nous participer, comment ça pas existé ça. Un exit agrément. Les gens comprennent dans qui pétrin je t'en rentrer. Au fait, c'est un arnaque pour qu'ils ne se battent pas dans l'agrément, mais qu'ils ne se parlent dans l'agrément. Mais quand je t'en rentre dans le syndicat, vraiment, je ne comprends que la loi permet depuis 2009, qui sac des ans, patron bizarre 6 heures, signe un accord collectif, signé, enregistré avec le tribunal, tous les gains fausses de loi, je ne pas faire lit. Là, quand je rentre dans le syndicat, dans une confédération, nous expliquons l'aspect légal là. Management connaît tout ça là. Comme Maria peut dire, depuis 3 mois, négociation nous bizarre fini là. C'est pas le premier groupe qui t'a dit augmentation correcte, tout va faire correct. Mais il y a un problème pas là qui peut bloquer ça.
il est malhonnête parce qu'il toute catégorie gagne 10%. Pas l'ingénieur, d'après la cause, je gagne beaucoup, je gagne 10%, mais tout ça, même si je n'ai pas gagné depuis 2010, féminin, là, tout ça, là, il négocie, il finit upgrade. Mais je dis, comment dire, bizarre, comment dire, un coup de bâton pour comprendre que vous êtes une arrivée à signer. Nous, problème, là, dans ces hiérarchies, qui peut arriver, là. Parce que tout pas les autres catégories, encore, les négociations, nous avons des hiérarchies. Mais plus ou tard, il faut signer un agrément. Partons là pour dire qu'on est, mais nous avons failli, nous profilons, baisser, nous payons des clientes, nous pas pour garder nos comptes, etc. Ça, mais c'est pas correct. Mais ce qui se résout, et permettez-moi de dire où, chaque fois qu'il est mauvais, il y a l'occasion pour servir un amendement à la loi de ce l'avantage. Il fait lire. 2013, la loi votée dans Maurice, qui tout travaillait bien gagné, bonne fin d'année, un deuxième tout à l'heure. Quand nous demandons, et mon cher dit non, ça la loi là pour des gens qui gagne 30 000 ou moins, pas conscient de mais je cyclive 15 d'après la loi là. Ça veut dire qu'on besoin de je cyclive, de 10-15 cyclives d'après l'implémentation, là il est bon. Quand vous avez un bonus indigène, non, je ne vais pas couvrir pour l'implémentation. Ok? Si tout travaille, mon cher, tu peux gagner un cyclive 15. Dire quelque part où on prend et comment il n'a pas normal. Quel cyclisme quand rentré en 2009? Trouvez là. Quel cyclisme rentre en 2009? Avant ça, tout le monde tient à 21 ans. Ingénieur existait avant. Donc, comme Médion Guéon en 2010, sans donner un agrément, impose aux autres nouveaux la loi de 2010 qu'un cyclisme. Vous trouvez une malhonnêteté dedans. Ça veut dire que je pénalise mec, mais impose nouveau la loi de Dieu 15 cyclives, n'est plus de Dieu 21 comme avant, tu étais sous les bras. Mais quand il y a où, la loi là, 2013, il y a un deuxième, non, pas conscient de ça. Donc tout ça là, jour après jour, il peut créer, comment dire, un volcan qui pourrait pour exploser là. Maintenant, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas un petit monde. Mon gars, après pilote, deuxième grade, qui a plus d'années d'études, c'est pas l'ingénieur. Beaucoup plus qualifié qui pas de manager, c'est manageuse. Pour une ingénieur, combien l'année d'études, ça? Et vous avez compris qu'on pose l'examen, chaque nouveau type avion qui sortit, vous avez recomposé encore. Mais pas normal de traiter comme ça. Et pas normal. Et concernant la hiérarchie publique, il délivre, vu qu'il a vraiment une prédiction sur la communauté. Mais il n'a pas connu là. Concernant la hiérarchie, si je délivre un point, peut-être qu'il m'a ajouté à faire un jeu de rôle, ou peut-être que vous pouvez négocier. Pour tout travailler des mouches, là, dans la communauté, pour négocier. En hiérarchie. Pas connu combien de prix. Dans la cour AMCA, qui c'était SPDSA, nous mettons sur la cour, ce qui vous négociez, nous pas garder un prix moins que ça. Ok? Mais pour les ingénieurs, c'est différent. Ben là, je tenais une date, que toute la côte est terminée, je négocie, je vais avoir un ingénieur, depuis 2010, je suis dans la côte. Je continue d'arriver. Comment pour discuter sur l'IRAS? Est-ce qu'il y a 10% IRAS? Si vous dites, ramène-je, c'est que je peux travailler 45 heures. C'est-à-dire que je travaille 5 heures en plus par semaine. Pour 4 semaines, il fait 21 temps pour moi. Si vous dites, calcule sa chiffre qui s'est payé là, ou mettez ça dans les autres salaires de base, il finit en voisin les 10%. Ok? Maintenant, vous prenez depuis 2010, vous avez perdu dans le pouvoir d'achat, ce qu'on appelle l'establishment of real wage, il finit sauter en haut. Donc, il y a une matière qui besoin de discuter. Et bana, besoin de sauver. Je suis plus capable de pouvoir avoir un cyclive et aussi. Le salaire et tout. Salaire. Ça, la liste est dans moins une 14 discrimination. Je ne peux pas payer un vrai rostering pour le chiffre. Payer un planning pour les livres. Et dans mon dieu, no wage structure. Une série de choses. Vous comprenez? Une série de choses qui nécessitent discuter, qui finit faire proposition.
À quand ça vous fait? À quand ça vous fait? Et vous connaissez la le malhonnêteté dedans. Ces catégories de travailleurs, dans nous la loi, je ne pas prendre la loi faire la grève. Parce que même qu'ils ont voté, je ne gagne majorité pour être dans la grève, le Premier ministre capable de déposer une injonction en Cour suprême pour déclarer la grève la caduque parce qu'ils représentent un secteur essentiel. Vous comprenez? Si l'avion n'a pas décollé, il peut affecter l'économie. Forcément, c'est vrai. Et dans ma marchandise, vous allez venir. Mais qui vous fait là? Ces outils, c'est eux qui s'étaient SPP pour faire. Nous pouvons faire l'événement public qui choue. Nous ne pouvons pas aucune procédure à la remettre avec un mot. Nous avons une liberté d'expression, nous pouvons causer. Nous pouvons faire l'événement public qui choue. Dis-moi une bizarre connaît qui passait dans le mot. Dis-moi une bizarre connaît qui cause des enfants pour venir avec un diplôme ingénieur. Comment ça paye la paix encourageuse pour rester? Ça le but. On ne peut pas venir de mal au réel. On connaît, nous pouvons dire où est tout nos pays. Comme ça, on est tout nos pays. J'ai un encouragement. Et il n'a pas fait pareil tout ça. OK? Merci.